c'est du croix. Du... Le voilà. Hey, Kylian. Hey, ça va, Dave? Tranquille et toi? Tranquille, tranquille. Check. Salut. Bon, voilà les amis, nous avons rejoint Kylian Koussi ici dans son exploitation. Il va, je vous laisse avec lui hein, pour vous présenter cette vidéo au sujet du puzzle. Bon et bah bonjour les amis, comme vous aurez pu le comprendre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo puzzle. Je vous avouerai que je suis très très heureux de la faire. Avant tout, dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques du puzzle, quelques combos qui sont ici présents à l'élevage, et ensuite on verra le projet Clown Puzzle avec une belle surprise en fin de vidéo. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier puzzle a été fixé par Sal Bradley en 2008. On a pu voir à la dispo en 2013 les premiers individus. Alors maintenant, on va se retrouver pour les caractéristiques du puzzle. Donc ici, on va retrouver une puzzle et un classique. Donc la première chose qui saute aux yeux tout d'abord, c'est la couleur. Elle est très lumineuse sur le puzzle, plus foncée évidemment sur le classique. Le deuxième point qui va nous sauter aux yeux, c'est le marquage de tête. Donc pour la caractéristique de la tête, on pourra voir sur le puzzle que le triangle du dessus est plus fin, ainsi que les traits du dessous. Elle a une tête vraiment plus fine au niveau des marquages. Et son triangle plus fin qu'un classique. Voilà, ça remonte vachement au niveau des yeux, au-dessus. Et son trait très réduit, en dessous de l'œil. Ce qui nous saute aussi en deuxième élément, marquant de la caractéristique du puzzle, c'est son marquage unique et atypique. Comme vous pouvez le voir, il est assez destroy. On peut observer d'où son appellation puzzle sur sa ligne de dos. Ça nous fait des petits puzzles. On doit son nom à cette petite forme d'imitation du jeu puzzle. Troisième caractéristique qu'on retrouve chez le puzzle, c'est sa ventrale très blanche, avec des marquages noirs qui nous font penser à du yellow belly ou des formes sauvages qu'on pourra trouver dans la nature. À la différence que elle, le blanc va remonter légèrement sur les flancs et contraster le pattern noir du puzzle. Donc voilà, on se retrouve sur un combo de double récessif, hippo puzzle. Donc ici, on voit bien le travail de l'hippo qui vient rajouter de la luminosité au puzzle de base. Et ce côté un petit peu emmu, pâle, qui joue. Donc voilà un deuxième combo double récessif, Desergos Puzzle. Donc on voit bien sur cet animal l'influence du DG, sur sa couleur un petit peu sablée, sa luminosité. C'est pour probablement l'un des combos puzzle les plus recherchés actuellement. En tout cas, c'est mon favori actuellement. Bon, maintenant on va vous présenter la première puzzle que j'ai acquérie. C'est vrai que j'ai un lien un peu particulier avec cet animal-là.
s'agit d'une Super OD Pastel Weirdo Puzzle. Donc Super OD, la super forme de l'Orange Dream codominante. Le pastel codominant également. Weirdo qui vient d'être prouvé dominant. Et le puzzle qui est récessif. Donc c'est vraiment une bête magnifique en termes de couleurs. On pensait que ça allait un petit peu se dégrader avec le pastel. Ça allait pâlir. Mais finalement, elle reste très colorée, très lumineuse. On est agréablement surpris. Après, il faut dire aussi que c'est le travail d'Ozzy Boyd. Donc on connaît les souches et la sélection de chez Ozzy. Et c'est vrai que cet animal est juste dingue. C'est qu'on va parler un petit peu plus du projet Clown Puzzle. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que je suis dessus. J'ai commencé avec des classiques doublette fois doublette. On a obtenu quelques visuels, malheureusement pas obtenu le Clown Puzzle. Donc on a commencé avec des classiques doublette fois doublette. On a obtenu quelques visuels 66, malheureusement on n'a pas eu la chance d'obtenir le Clown Puzzle. Donc on a fait un petit peu comme tout le monde, on était un petit peu dans le flou. On a pu voir une bête qui était née en Asie, que tout le monde a vu, c'était le premier Clown Puzzle. On s'est tous fixé un petit peu cette image du Clown Puzzle. Au fur et à mesure des années, on n'en a pas revu beaucoup. Il me semble qu'il y a un Pastel Clown Puzzle qui est né aux US. Et ensuite, beaucoup ont sorti des clowns Het, avec des marquages un petit peu spéciaux. Et on pensait que c'était Clown Puzzle, et j'ai eu l'impression que on s'est perdu un petit peu sur le Clown Puzzle et qu'on sait pas vraiment où on va dessus. Étant donné que certains ont annoncé des Clown Puzzle qui n'étaient finalement que Clown Het Puzzle avec quelques marquages spéciaux, les suivants qui eux ont sorti des Clown Het Puzzle avec de gros marquages, on pensait tout de suite aussi à Clown Puzzle et c'est très flou. C'est très flou. Aujourd'hui, on a quelques certitudes pour assouvir le visuel Clown Puzzle et redonner peut-être le goût au projet à certains. Bon voilà, on se retrouve avec ma première femelle classique doublette qui a reproduit ici à l'élevage sur le projet Clown Puzzle. Donc déjà à l'époque on avait des suppositions sur des marqueurs Het Puzzle, donc comme celui-ci qui est ici. Donc je peux pas apporter d'affirmation parce que seulement le travail a pu plus ou moins confirmer cette chose et on le verra sur les clowns qui vont suivre dans la vidéo. Mais voilà, on avait déjà à l'époque cette partie qu'on n'a pas l'habitude de voir chez des classiques et qui nous avait mis un petit doute sur des potentiels marqueurs. Des ventrales qui pourraient faire penser à des marquages de pie. Après, on y croit, on n'y croit pas aux marqueurs. Donc voilà, on se retrouve sur deux clowns. Un 100% Het Puzzle, l'autre 66. Donc ça, c'est notre clown 100%. Qui n'a pas ce phénomène de marqueur, bon, qui est 100% génétique sûr, mais voilà, c'est un clown classique. Et ensuite, on trouve donc le petit puzzle 66, et là, on a beaucoup plus de patterns assez étranges, disons, qui laissent supposer à des. Qui ont laissé supposer à plusieurs personnes que c'était des clowns puzzle, comme là le M. On a discuté avec plusieurs étrangers européens et américains qui eux aussi pensent que évidemment qu'il y a des marqueurs Het Puzzle. Typiquement c'est M. Il y en a quelques-uns à plusieurs endroits.
Voilà. Et donc je pense que c'est cette partie-là par rapport à la première bête qu'on avait vue qui a mis aux personnes un petit peu le doute et dans l'euphorie qui voulait sûrement annoncer très rapidement Clown Puzzle ont annoncé des animaux qui finalement n'étaient que des clownettes. Maintenant, ce qui serait intéressant sur cette bête-là, c'est de voir, voilà, on a une supposition de hêtes et de marqueurs, c'est du 66, voir si tous les animaux qui possèdent, entre guillemets, ces marqueurs-là, se confirment 100%, ou s'ils ne se confirment pas, j'ai aucune explication de ces marquages qui sortent uniquement sur les clowns hêtes puzzle ou 66 hêtes. Donc voilà un couple issu, enfin qui est sorti issu de nos reproductions de ces deux dernières saisons. Donc la femelle puzzle 66 et le clown. Alors celle-ci, on ne peut pas parler vraiment de marqueur. J'ai pas encore assez de recul pour parler de ça. Donc on va sûrement les mettre en reproduction pour prouver déjà la génétique. Et ensuite, il faudra essayer de s'imaginer un petit peu ce que pourrait donner le clown dans le puzzle et pas par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ou ce qu'on nous a dit. Moi je pense que il y aurait un gros marquage de tête, je l'imagine comme ça, un gros marquage de tête très fin comme la tête du puzzle, mais avec une particularité clown, un petit peu comme les marquages au dé, spot nose, tout ça. Après, je verrais bien un clown dégradé en puzzle, mais tout ça, ça reste à confirmer, du moins c'est ce que j'aimerais. Et au vu de ce que j'ai vu chez notre ami, malheureusement, que je répète, était mal formé à la naissance, le marquage de tête avait l'air vraiment exceptionnel. C'était vraiment un animal unique. Donc ça, c'est deux petits que j'ai eu. J'ai eu d'autres clowns aussi. Je vais vous mettre une photo tout de suite pour que vous voyez, qui avait, elle, déjà un sacré marquage de tête, une ligne très foncée, des couleurs très orangées. Pourtant, elle était que clown 66 et bizarrement, elle avait aussi ce phénomène de petits carrés, de petits M blancs, comme on aurait pu dire des clowns puzzle. Je pense qu'il reste encore beaucoup à travailler sur ce projet et il faut voir dans le futur sur de suivantes reproductions pour affirmer un réel clown puzzle et vraiment avoir le visuel définitif. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'on travaille pas tous les mêmes souches de clowns. Bon, puzzle, il n'y a pas de question à se poser étant donné que elle est unique, elle vient que de chez Sean Bradley. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Par contre, sur celle des clowns, on peut se poser la question si, suivant la forme et la souche de clowns, est-ce que ça n'impacte pas le visuel du clown puzzle à la sortie. Donc voilà un petit peu mon ressenti sur le projet clown puzzle. Donc vous l'aurez compris, on est encore dans la phase de travail et on cherche à savoir par rapport à nos souches de clown, déjà de savoir si ça va fonctionner ou pas. Je reste persuadé que oui, parce que il y a quand même eu un visuel au début qui nous a tous mis d'accord et qui nous a tous fait nous lancer dans ce projet là. Ensuite, on est un petit peu dans le flou. Pour moi, actuellement, il y a, de ce qu'on est sûr du moins, il n'y a qu'un seul clown puzzle réel confirmé, c'est celui-ci. Après, il y a peut-être d'autres clowns puzzle exceptionnels dans le monde. Du moins, ils ne sont pas publics et personne ne le sait. Ils sont bien au chaud dans des élevages et les gens sont en train de les travailler et vont sortir quand il y aura une armada de conçus. Depuis ces dernières images et le montage de cette vidéo, nous avons pris connaissance depuis peu d'une nouvelle naissance dans le monde de Clown Puzzle. Elle se situe en Asie, encore une fois, et a été produite en fin 2022. Ici, pas de doute sur la photo, vous serez d'accord avec moi, il s'agit bien d'un Clown Puzzle. On reconnaît bien la génétique du puzzle, du clown, sans aucun doute. On peut dire aujourd'hui que le véritable visuel clown puzzle est devant nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
merci du soutien. Je vous dis à très bientôt.